Comment créer un test à l'intérieur de votre cours Moodle? Tout d'abord, choisir la section dans laquelle vous voulez insérer un nouveau test, puis aller en mode édition. Ajouter une activité ou ressource, puis choisir test. Nommez votre test. Vous pouvez en mettre une description. Intéressant ici de gérer le temps. On peut mettre une date d'ouverture, une date de fermeture et un temps de disponibilité pour le temps de réponse des élèves. On peut aussi, dans la section notes, il est intéressant d'y insérer la note de passage. Pourquoi? Parce que pour le suivi des élèves, les notes supérieures à cette note de passage seront affichées en vert et les notes inférieures seront affichées en rouge. C'est plus facile pour le suivi des élèves. Toutefois, ne sachant pas quelle est la note globale du test, on pourra y revenir à la fin du test pour pouvoir venir ici insérer la note de passage. Le nombre de tentatives autorisées peut être illimité ou limité à un certain nombre de tentatives. Et la méthode d'évaluation, dans le cas du nombre illimité ou de plusieurs tentatives possibles, on peut choisir soit de garder la note la plus haute, faire une moyenne ou choisir la première ou la dernière tentative. Les autres paramètres sont intéressants à regarder. Enregistrer et revenir au cours. Voilà, le nouveau test est prêt. Il faudra toutefois y insérer des questions dans le mode paramètres, questions, que nous détaillerons dans un autre tutoriel.